I knew that I wouldn't I feel good I knew that I wouldn't So good, so good I gotta oh! I feel nice The sugar and spine I feel nice The sugar and spice I feel good. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans votre émission 30 minutes pour profiter des ondes positives de nos invités. 30 minutes pour prendre le temps d'être à l'écoute de deux femmes, cette fois-ci, actrices d'un peu de mieux vivre ensemble. Par leur engagement perso, professionnel, bénévole, elles apportent un peu beaucoup de bien-être autour d'elles. Aujourd'hui, le bonheur d'accueillir Françoise et Valérie. I feel nice, I Le, bon, le bonheur d'accueillir Françoise et Valérie, mais aussi d'accueillir Elisabeth, Sacha et Caroline, qui sont stagiaires dans différentes organisations et qui seront à nos côtés et qui pourront intervenir aussi durant cette émission. Françoise et Valérie, je suis heureux de vous accueillir parce que, on va dire que l'actualité sociale et sociétale est un peu, sinon morose, un peu interpellante. Et, euh, et avec vous euh, le bonheur de s'intéresser euh, à la question du, du bien-être. Françoise, vous êtes la, la responsable du CFR Est. Qu'est-ce que c'est Alors c'est un... Bonjour, c'est un centre de formation où effectivement... On euh, on forme des stagiaires, en tout cas des personnes de tous horizons, en tout cas, à euh, pouvoir prendre en charge soit des séances de relaxation dans les centres sociaux, dans les MJC ou autres, ou des personnes qui, effectivement, dans leur structure ou leurs institutions, ont envie d'apporter un petit peu de bien-être, effectivement, ou travailler sur le burn-out, et euh, vont effectivement pouvoir euh, faire des séances pour les personnes qui en ont besoin dans leur structure, autour de la relaxation Donc, et autour de la gestion du stress, beaucoup. Mmh. CFR, ça veut dire centre Alors, de formation. centre de formation des relaxologues de tout l'Est, puisqu'on a aussi bien de la Meuse, de la Moselle, des Vosges, de la Meurthe-et-Moselle, même voir Dijon ou, ou autre. Donc, effectivement, c'est grand Est. Mmh. Qu'est-ce qui vous a pris C'est vous qui en êtes à l'origine de, Alors, de créer cette. Alors, je fais partie des membres fondateurs, effectivement, ouais. il y a 25 ans de ce centre-là. Euh, 25 ans Oui, oui, oui. On forme tous les, tous les ans des relaxologues sur toute la région pour justement effectivement que ce soit aussi bien dans des structures. On a beaucoup au départ d'infirmiers qui sont venus, des éducateurs, pour effectivement dans les prises en charge qu'ils avaient, pouvoir amener un petit peu de détente, du mieux-être, de la gestion des émotions, du stress. Donc on a eu énormément, on en a toujours, des enseignants aussi beaucoup. Et puis de plus en plus, on a des personnes qui viennent de vraiment des horizons très divers. Et qui sont aussi bien des reconversions, par exemple, sur le plan professionnel, qui étaient dans le commerce et qui ensuite ont envie d'aider l'autre, en tout cas, dans le, avec un grand A. Et voilà, qui effectivement viennent de toute la région. À l'origine, il y a souvent une intuition. Elle vient d'où, cette intuition alors, l'intuition, euh, c'est effectivement des personnes qui, quelquefois, dans leur parcours, euh, ont rencontré des personnes qui leur ont peut-être tendu la main ou qui leur ont donné, en tout cas, l'envie de le, se prendre en main déjà, eux, différemment, c'est-à-dire de... Euh, pouvoir euh, utiliser tout ce qu'on utilise dans, les, dans tout ce qui est relaxation c'est des outils très variés en tout cas qui vont des mouvements comme le yoga la respiration et autres et se rendu compte ça leur apportait vraiment un mieux et euh, ils se rendent compte qu'après ils, ils, ils utilisent davantage justement leur côté intuitif pour le coup euh, qui est d'aller vers ce qui leur convient le mieux et ce qui vraiment est en cohérence avec eux. enfin vraiment qui est quelque chose qui leur parle bien et avec lequel ils sont complètement en accord et qui rentre mieux dans leur vie quoi. Ils, euh... il y a pas eu, on n'anime pas l'intuitif alors dans ce que vous dites. Euh, l'intuitif euh... oui, on en a forcément, mais, mais... je sais pas <laughs> Est-ce que il est là pour être éduqué enfin est-ce que? Ah non, au contraire, on va le réactiver. <laughs> C'est-à-dire que c'est plutôt une réactivation de cette partie intuitive qu'on a en nous. Euh, scientifiquement on pourrait dire c'est la partie un peu plus subconsciente euh, de notre euh, effectivement notre personne enfin de tout être humain et qu'on a depuis tout petit qu'on a à la naissance hein, la partie intuitive les enfants on sait il y a plein des en tout cas de recherches qui se font là-dessus même en intra utérin on voit bien qu'il y a déjà un aspect très intuitif à ce qu'ils ressentent ce, qu ce que nous on nomme quelquefois le feeling aussi quand sur certains aspects et là au contraire souvent il est mis un petit peu à couvert parce qu'il y a eu tout le formatage mmh. de l'éducation par des médias qui fait que là on redécouvre quelle est sa partie intuitive et pour lui faire confiance, au contraire, c'est une redécouverte de notre partie intuitive qui va nous guider vers ce qui est bon pour nous en gros. Parce que le but de l'émission, c'est le feel good, justement. Ah, c'est ce, est... okay. qu -ce, oui, oui, est... qu ce qui fait qu'on se sent bien, quoi. Voilà, et oui, bah justement, c'est se retrouver soi-même avec vraiment ce qui nous convient le mieux. D'où euh, l'idée de cette émission de rencontrer des personnes. On part à la rencontre, alors on va partir à votre rencontre, Françoise. On va partir aussi à la rencontre de, de Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Qu'est-ce qui qu t'a pris Alors là, je vais la tutoyer parce qu'on <laughs> se connaît depuis longtemps. Voilà. Valérie, qu'est-ce qui t'a pris de... Quelle a été euh, euh, la raison, la motivation euh, de, de cette rencontre euh, avec Françoise, avec le CFRS Eh bien justement, ça doit être une part d'intuition qui est très forte chez moi, euh, mais que je ne savais plus entendre. Euh, donc il y a maintenant 6-7 euh, ans. Euh, J'ai un passé professionnel de sociologue où j'étais euh, enseignante à l'université, chercheur. Euh, et puis, euh, puis, puis j'avais des intuitions que je ne voulais pas entendre parce que la société nous a appris à ne plus trop les écouter parce qu'il faut être rationnel dans la vie. Euh, et puis, mon corps, puisque je ne voulais pas les entendre, mon corps m'a dit qu'il fallait arrêter. Hein en gros, ça s'appelle tomber malade. Voilà. Et, et quand le corps tombe malade, il ben, y a un moment où. Euh, on n'a plus le choix en fait, hein donc on l'écoute. Et à partir de là, j'ai redonné place, donc j'ai fait un parcours de reconversion professionnelle, j'ai redonné place à mes sensations, à mes ressentis, et la part d'intuition est revenue. Euh, j'ai laissé de la place dans ma vie à, à tout ce que j'aime, c'est-à-dire le, le théâtre, le clown contemporain. Et, en allant vers la relation d'aide, ou en tout cas d'accompagnement au départ. Et puis, euh, et puis je suis quelqu'un qui a besoin de se sentir utile. Et utile, euh, pas pour la société, ça c'était avant, mais pour l'autre, pour moi et pour l'autre. Voilà, euh, C'est quoi la euh, distinction <laughs> entre utile pour la société ah, bah, et utile En fait, la, utile pour la recherche peut donner l'impression d'avoir une utilité sociale. Pour une sociologue. Sociale, je veux, je veux. Pour une sociologue. Euh, et puis, j'ai senti les limites de tout ce système-là, et j'ai eu envie vraiment d'aller vers l'individu vers l'autre euh, dans, dans ses capacités à être qui sont vraiment étouffées aujourd'hui hein, par plein plein de choses. Euh, et la relaxation, j'y suis allée parce que moi d'abord j'en avais besoin. On tombe pas dans la relaxation par hasard. Euh, rien n'arrive d'ailleurs par hasard je pense. Et je suis allée vers, vers cette pratique-là. J'aurais pu aller vers la sophrologie ou d'autres mm -hmm. pratiques. Je suis allée vers cette cette pratique de la relaxation, parce qu'elle part du corps, justement. Elle part de nos ressentis, de, de, du corps, pour aller réveiller euh, cette part d'intuition qu'on a en nous, ce bien-être mental, parce que ça allège le mental et que ça le soulage, même pour une bonne part. Mais en partant du corps, c'est-à-dire de quelque chose de concret, de ce qu'on ressent vraiment à l'intérieur. Et voilà, donc c'est comme ça que je me suis inscrite en formation au CFRS et que j'ai rencontré Françoise. Françoise, justement, le profil de, de, de vos stagiaires, on les appelle comme ça alors, Oui, le euh, oui, oui, profil tout de à vos fait, stagiaires euh, ça, euh, ouais. euh, Quels alors, horizons alors, quel, euh, Quelle motivation aussi euh, La motivation, alors souvent, c'est effectivement par exemple les personnes qui sont dans les structures hospitalières ou les EHPAD ou autres, c'est-à-dire des infirmiers ou aides-soignants beaucoup d'infirmières, hein, même dans le secteur psychiatrique. Euh, Parce que C'est là où c'est euh, le plus dur. Euh, oui, peut-être euh, aussi. Hein. Oui, 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 oui ils veulent il avoir d'autres approches. Ouais. Il y a une grosse révolution qui se fait en psychiatrie où on travaille davantage maintenant, enfin je crois, euh, tout ce qui est bien-être de la personne et vraiment avoir des, des techniques. Euh, alors même dans la médecine, hein, tout ce qu'on appelait avoir alternatif, qu'on appelle maintenant intégratif, où effectivement on sait que la relaxation fait partie. Hein, de, euh, de, de ce qui va pouvoir aider la personne ne serait-ce que par exemple par rapport à un mal de tête hein. on, on va y revenir hein, mais effectivement ouais. je je vais vous questionner là-dessus parce ouais, que ouais. on voit bien qu'il y a une explosion de on parle là de la relaxologie on parle de la sophrologie on vient d'évoquer ouais, on, oui. euh, on a aussi l'hypnose enfin voilà mm -hmm. j'en viens sur le profil de vos stagiaires alors on a dit alors euh, des infirmiers de beaucoup des éducateurs aussi des éducateurs, euh, ouais, avec ouais. des jeunes effectivement en grande difficulté euh, on intervient on a des personnes qui interviennent beaucoup sur la réussite éducative aussi sur euh, voilà dans les lycées dans dans les, euh, donc euh, c'est une demande importante. Pour On sait, ça à va jusqu'aux enseignants Ça peut aller jusqu'aux ah, oui, enseignants Oui, oui ouais, tout à ouais, fait. Ouais. Ouais, ouais. Ah. Et puis il euh, y a effectivement des, des personnes euh, bah, maintenant d'horizons très euh, différents puisqu'il peut y avoir aussi bien bah, comme Valérie. Euh, des sociologues, on a un juge également parce qu'il est effectivement, je pense qu'il a le désir, par rapport à tous ses collègues qui sont en état de stress le maximum, de pouvoir amener des techniques un peu, des moments en tout cas pour pouvoir relâcher la pression et gérer le stress. Donc il y a vraiment des demandes dans des oui des structures maintenant très très euh, différentes. Quand on fait des stages par exemple sur le burn-out, ça nous arrive en dehors du centre de formation euh, d'animer des sessions sur la gestion du stress ou sur le burn-out. Et là, dans ces sessions-là, on a aussi bien des personnes de banque, des personnes du commerce, hein, de la grande distribution, des personnes euh, euh, vraiment des enseignants des... qui vraiment sont confrontés à ce problème de gestion du stress et surtout du burn-out dans l'étape suivante et qui sont vraiment en demande par rapport à ces techniques-là. Ouais. Vous évoquiez des parcours professionnels et Valérie disait, mais moi c'est aussi par un besoin personnel, oui. est-ce qu'il y en a qui viennent pour un besoin personnel oui, avant un parcours professionnel. Ah oui, bien sûr. Ou et les personnes même... ne rentrent pas comme ça. La, la première année qu'on a de formation, c'est plutôt un cycle de développement bien-être et de connaissance de soi. Et c'est seulement au bout de cette année-là, les personnes ne viennent quelquefois que pour cette année-là. Et c'est au bout de cette année-là où certaines personnes décident d'aller un peu plus loin et finalement de se dire qu'elles sont capables d'animer des sessions de relaxation Alors, ou de faire des prises en charge individuelles. Quoi. On fait un petit mmh. peu le, le descriptif technique, si vous voulez bien, oui, du centre oui, de formation. Ça veut dire euh, quel type de formation... Quel diplôme, quel certificat, quelle reconnaissance, quel prix, quelle durée ouais, ouais, okay. Allez, on y va. Alors la première année, c'est effectivement voilà la première année, ce sont effectivement sept stages d'une semaine. Il y a juste un week-end, mais c'est des samedis où effectivement là ça, ça va être tout un cycle qui va permettre aux personnes de bah, déjà découvrir les outils de la relaxation. Euh, avec beaucoup d'interactivité entre eux, en tout cas, et puis euh, qui vont leur permettre de vraiment se découvrir, justement, à euh, découvrir leur intuition. Euh, savoir répondre à leurs besoins enfin voilà s'occuper d'eux quoi hein. ça c'est la première étape et puis euh, souvent c'est effectivement au bout de cette année là où les personnes décident de se dire oui je, je pense que c'est quelque chose qui est faisable pour moi je, je devrais être tout à fait capable de pouvoir rentrer en formation et là ils rentrent dans ce qu'on appelle la deuxième année de formation qui est vraiment de la formation professionnelle euh, oui, effectivement, il y aura même des devoirs entre les stages, hein, où il y aura tout un apprentissage des différents outils. Ça va de, du yoga, des mouvements postures, un peu de Qigong, euh, des mouvements respiratoires, c'est-à-dire hein, tout ce qui est autour de la respiration, qu'on appelle de temps à autre cohérence cardiaque, mais qui est beaucoup plus large que ça, euh, des techniques de relaxation, de la rééducation psychosensorielle, où on travaille sur les sens. Enfin, vraiment, on a des approches très diverses pour répondre à. Toutes les types de personnes et de besoins, en tout cas. Et ça, c'est la deuxième année, avec effectivement un mémoire à la fin, un travail à rendre, des personnes à prendre en charge, un examen pratique. Donc, ça dure une année, une année et demie pratiquement. Et puis, voilà, ils peuvent s'arrêter là. Ça donne un certificat. la première année, c'est sept semaines, sept stages, sept week week-end Ah, c'est les week-ends, pardon. C'est sept week-ends, d'accord. Sept week-ends. La deuxième année Il y en a neuf. Il y a neuf week-ends complets, là, pour le coup. Ce n'est pas que voilà. des samedis, c'est des week-ends complets. Ça donne pas mal de journées de formation. Hein. C'est toujours le week-end puisqu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, des personnes okay, qui travaillent la semaine. Donc, ça veut dire que c'est en congé individuel de formation qu'on prend, qu peut Alors, prendre ça Alors, ou... ça peut se faire avec euh, des... Non, c'est quelquefois ah, les employeurs qui... Euh, ou, et, ou sur le plan personnel, ils veulent euh, se payer une formation. Ou c'est des employeurs qui prennent en charge. On a eu une fois Pôle emploi aussi, euh, qui a pris en charge cette formation-là. Est-ce euh, et... qu'il y a des stages... Pratique où il faut aller dans des structures ah là, euh, Non, mais par contre, on conseille d'aller à côté de chez soi, puisqu'on donne toute la région, à des séances de relaxation collective, euh, voilà, dans les centres sociaux, les MJC ou autres. Donc, on leur conseille d'y aller. Mais sinon, on fait beaucoup de pratiques pendant les stages. Hein. Ce n'est pas th théorique, il y en a un peu. Mais on a beaucoup de pratiques. Hein. Mmh. Valérie peut confirmer. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut faire appel à vous pour une intervention en entreprise ou oui, en institution On a toute une liste de personnes qu'on a déjà formées hein, depuis 25 ans. D'accord. Mais <laughs> okay. alors, ça veut dire, est-ce que quelque part, je me mets à la place du manager, euh, du patron, qui dit bon, ben, je vais faire venir quelqu'un sur le bien-être au travail Ça sous-entend sous que s'il euh, n'y a pas le bien-être à son boulot. Non, mais quelquefois, ils ont senti dans, les, dans leurs entreprises, en tout cas, qu'il y avait effectivement les prémices de, voilà, une espèce d'usure ou en tout cas de, de, de tension qui monte de plus en plus. Et quelquefois, moi, c'est arrivé que j'intervienne, par exemple, dans un centre hospitalier vers Chaumont, en tout cas dans ces coins-là, où ils avaient, ils avaient toute une restructuration en vue. Et qu'avant que, avant que la, restructuration, la restructuration ne se fasse, ils nous ont sollicité. On est venu à deux, trois, quatre mêmes euh, personnes, en tout cas du centre, pour euh, effectivement euh, pouvoir faire de la prévention, euh, travailler avec les équipes euh, sur euh, comment euh, s'adapter euh, sans trop de stress, en tout cas. Hein. Mon Dieu, mon Dieu, le temps passe déjà à toute vitesse, par contre. Ouais. Petite pause musicale. Oh, 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 again, Chacun sa culture mais pour tous le même pays mais on est sûr que <laughs> tout ce qu'ils veulent c'est une France qui ferme sa gueule Une fois de plus la machine est lancée Tout ce qu'ils veulent c'est une nation comme une j'attaque les envies de voir quitter ce pays, j'attaque. Pour mes frères, la morale et l'autre, j'attaque. Comme la pensée loin, j'attaque, mensonge et mépris, j'attaque. Et dans ton pacte, tu ne putain lire J'traque ton discours, j'traque ton nerf, j'traque tous tes hommes quand ils renvoient les charters. Même les plus tranquilles deviennent vénères en temps de guerre. Give the oh, give qu'on fait, nos parents nous donnent le droit de ne pas douter de ce que l'on est, de ce qu'on fait là. Les valeurs se perdent, aucun hymne ne les ramènera. Mes couleurs au drapeau qu'un droit ne suffisent pas. On ne choisit pas où on n'est pas, toujours où on va. Frères, sans papier, donnant leur au moins le choix. On tue même les hommes, certains deviennent des bois. On crée des lois pour ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est une France qui vient de gueule. Une fois de plus, la machine est lancée. Tout ce qu'ils veulent, c'est une nation comme communale. Une Comme une amour et un bon te père, et ces trois couleurs sur le drapeau ne suffisent plus à colorer ce tableau de ce pays, de ce peuple aussi beau. L'identité ne se résume pas à un mot. Ce qu'on fait, nos pères, quitter ouvrir leur terre, changer les misères. On est dans le rayé, c'est vous qui avez choisi Françoise. Oui, et un peu mais... le rap est pas loin non plus d'ailleurs. Euh... Oui, mais ils ont des vrais messages, c'est ce que je disais. Dubbing, c'est un groupe de Saint-Etienne et qui a vraiment des vrais messages sur le plan social. En disant qu'il faut regarder la vie autrement et euh, plutôt que d'être dans la sinistrose. Ils ont des vrais messages d'ailleurs. Hein. Alors justement, euh, la société, c'était tout le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Euh, la, la, la société nous envoie des, des, des signaux, des, des signes. Mmh, mmh, Alors bien mmh. sûr, euh, Valérie a pris le pull de couleur qui va bien, évidemment. <laughs> euh, euh, les gilets jaunes, ils nous disent mmh. quelque chose aussi de... de de, de, de cette société aujourd'hui. Est-ce euh, qu'on peut faire un parallèle entre ces gilets jaunes et l'explosion de votre activité que je suppose, mais, oui, mais je oui, pense qu'elle est réelle enfin, Oui, elle est réelle, euh... elle est réelle, tout à fait, il y a des grosses demandes. Ben, on le voit bien par exemple dans ce mouvement de gilets jaunes, euh, en même temps ils ont, on voit bien que les personnes qui arrivent à gérer leurs émotions arrivent vraiment à faire passer leur message parce qu'ils sont du coup audibles parce qu'ils arrivent à garder une certaine sérénité qui fait que quand ils le disent, ça a du poids. Le souci, c'est pour ceux qui, effectivement, gèrent mal leurs émotions, c'est-à-dire sont complètement envahis par ces émotions, et qui, du coup, rendent leur discours complètement inaudible, et qui fait qu'ils partent dans l'agressivité, on entend que l'agressivité ou la colère, et pas le message qui est derrière, et c'est dommage. Euh, donc, je trouve que c'est intéressant d'apprendre aux personnes à gérer leurs émotions. Hein. On travaille là-dessus, même dans les écoles, hein, pour qu'ils apprennent à gérer leurs émotions. D'où le travail de pédagogie, ouais, ouais, ouais. voire de prévention vous évoquiez. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Oui. Euh, Valérie, je peux interroger deux secondes la sociologue là-dessus mmh. euh, L'ex-sociologue, <laughs> on va dire. Alors, mais on l'est toujours. Oui, euh, oui, on l'est. Tu étais en... chercheuse aussi Oui chercheur on dit ah ouais, j'aime mieux ouais. chercheur avec un e au bout euh, tu préfères chercheur avec un ouais. e au bout voilà, ouais. Ouais. bon bref euh, je l'étais oui oui euh, c'était même c'était une passion j'ai adoré ça hein euh, prendre, un, un, prendre un sujet de société comme une pelote de laine trouver le bout par lequel on le on le dépelote et puis dépeloter tranquillement, lentement, en regardant à la fois les détails et le global, en essayant de comprendre. Comprendre, c'est-à-dire prendre avec, euh, prendre dans un contexte. Hein. Euh, essayer de comprendre. Moi, je suis partie d'un truc simple hein, quand j'étais ado, petite même hein, en fait. Je n'étais pas ado encore. J'ai vu un SDF tout près de chez moi et j'ai demandé à ma mère pourquoi il était SDF et je n'ai pas eu de réponse. Et je crois que j'ai eu besoin de comprendre ça. Donc j'ai fait des études qui me permettaient de comprendre ça. Moi je suis quelqu'un qui a besoin juste de comprendre, ça, même si ça ne sert à rien. Hein, c'est mon profil. Et là, dans les gilets jaunes, je ne suis pas sûre de tout comprendre. Euh, donc je m'habille en jaune pour euh, stimuler un peu la pensée, euh, peut-être par solidarité aussi, mais euh, je, je trouve que ce qui se passe est très complexe parce que c'est une première. Euh, ça ne ressemble pas à 68, je ne crois pas. Ça ne ressemble pas en à 69. Oh, ouais, ouais. C'est une première dans le sens où euh, c'est du totalement non politisé en apparence euh, qui dit le 17 novembre, on se met tous ensemble. Mais le 18 novembre n'était pas prévu. Et c'est un mouvement inattendu, spontané, qui donne lieu au 18 novembre, puis aux jours qui suivent avec quelque chose de, je crois, excessivement complexe, puisqu'on a des personnes qui, en fait, se connaissent plus ou moins, dans les villages notamment. Moi, je viens d'un village meusien, donc j'ai l'occasion vraiment d'observer ce qui s'y passe. Avec, je crois, cette envie d'être le dernier bastion de France qui tiendra. Donc, du coup, ça ne s'arrête jamais. Euh, et en tout cas, avec des gens qui se retrouvent et qui d'un seul coup sont contents de se retrouver. Alors, il y a une espèce de lien entre une colère sociale, mais aussi du lien social et chaleureux. Hein. Je pense qu'il y a une envie de passer Noël là, par exemple, hein, euh, qui se recrée donc euh, de la relation humaine, euh, mais aussi avec, par endroits, par endroits des, des, par endroit des des agacements qui s'excitent se, qui les uns les autres. Alors, ça, ça fait peur, ça devient dangereux. Puis, il y a des endroits où c'est très serein. Donc, on est face à quelque chose de, de, de je crois, humainement et socialement euh, complexe que, pour l'instant, on est en plein dedans là. Donc, on n'a pas le recul. Pour l'analyser, c'est compliqué. Alors, pourtant, on voit plein de. Des confrères sociologues, je pensais à Toulouse en particulier. Bah évidemment, qui, sont, qui est un euh, immense euh, centre euh, de recherche euh, par ailleurs, donc euh, qui se euh, régale. Ils se permettent déjà de commenter avec un bout d'analyse. C'est pas un peu oui, tôt tout ça ben peut, Alors il y a une analyse à chaud, puis on en aura, on aura ouais, une analyse ouais, à froid ouais, ouais. Euh, qui sera un mmh, peu euh, distincte. Euh, moi, ce, ce, ce que je trouve complexe, hein, c'est euh, un, un humain dans un mouvement non structuré. Enfin, un. Un groupement d'humains dans un mouvement non structuré. Les gilets jaunes. Euh, les gilets jaunes. Dans ah. ce mouvement, les gilets jaunes. Voilà. Dans ce ah. mouvement, l'humain dans tout ça, en fait, c'est euh, comment comment il fait pour trouver sa place C'est pas si simple. Dans une, euh, avec douceur, est-ce que ça amène le bien-être vraiment Oui. C est, c est, tu vois, si on, on, si on veut faire ce lien, il euh, y a du bien-être qui se développe entre eux, là, dans cet entre-soi, dans les ronds-points. Après, moi, le rond-point me fait toujours peur parce que c'est un lieu où, à force de tourner en rond, a... le risque, c'est qu'on s'enfonce. Hein. Ça, c'est le principe mécanique mm -hmm. de la personne qui tourne le en siphon, rond. Ouais. Euh, C'est-à-dire, c'est euh, cet, cet ensemble d'individus, d'humains qui sont présents. Euh, Qu'est-ce qui se passe réellement dans le mouvement social J'en sais rien. Je ne suis pas complètement optimiste. On a 60 ans. Euh, euh, voilà. Je ne suis pas totalement optimiste. Euh, 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 ce qui me permet de rester optimiste, c'est de considérer que dans ces gilets, chacun de ces gilets jaunes est nécessairement une petite mine d'or. Le tout, c'est comment on fait pour la voir. Parce que chaque humain est une mine d'or. Comment on fait pour le voir Alors tu <laughs> renvoies vers, vers, vers l'or et un trésor. Pour autant, il y a un, un, un signe... Un... Un signe de pauvreté qui est exprimé mmh, aussi. Mmh. Hein, tu, 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 tu disais, euh, en disant, je viens de la Meuse, euh, mmh, on sent mmh. bien que les géographes sont Les hein, mmh. euh, On est dans les, dans les périphéries, voilà, mmh. c'est des mots à la mode, tout mmh. ça, mais voilà mais euh, euh, ça vient de là. Ça vient de cette pauvreté. En tout cas, je euh, pense euh, qu'il y a un mal-être. Et tu renvoies une richesse, toi. Voilà, ça veut oui. dire que. Oui, euh, parce que. Alors, euh, moi, je, je me suis déjà posé la question de savoir deux personnes qui vivent avec 1200 euros par mois. Euh, on en a une qui peut être heureuse et une qui peut être malheureuse. Hein, C'est-à-dire que les données objectives sont les mêmes, les revenus sont les mêmes, les dépenses sont les mêmes. Il y en a une qui le vit bien, l'autre qui le vit mal. Qu'est-ce qui explique la différence euh, Je vous euh, le demande. Ça, voilà, oui. ça c'est vraiment une question que je me pose. Euh, moi par exemple, j'ai vécu une très grosse dégra dé, fin de, comment on dit ça, dégradation financière. Enfin, mmh. J'ai fait le choix de gagner beaucoup moins. Mmh. Hein mmh. Mmh. Euh, mais c'est un choix. Justement. Et je suis bien plus heureuse depuis que je gagne moins. Donc là, il y a plein de gens qui vont sauter en l'air. Mais parce qu'effectivement, c'est aussi une question de posture. C'est pas que, mais c'est une question de posture. Donc, par exemple, Alors, moi, pour vivre... La posture, ça veut derrière dire... la posture, ça veut dire, par exemple, tu moi, j'ai volontairement euh, réduit mes besoins. Mmh. Et donc, j'ai gagné le fait de savourer chaque petite chose que j'obtiens, par exemple. Donc, mon rapport à la consommation a totalement changé. Mais vraiment totalement. Et mon bien-être, je vais le trouver, par exemple dans le fait d'aller respirer pendant 5 euh, minutes dans le jardin ou 10 minutes, mais de respirer vraiment. C'est-à-dire en étant pleinement là, en étant pleinement présente à ce que je vis à ce moment-là. Et donc ça veut dire qu'en gros, je me prends un petit coup d'air et ça, ça fait mon grand bonheur. Je suis hors consommation, totalement hors consommation. Euh, voilà, et c'est une question de point de vue. Hein. C'est comment je fais pour saisir euh, chaque moment de bonheur. Eh ben, ça passe par le fait d'être présent, d'être pleinement là dans ce que je vis. Ma question était sur une, une approche sociétale, groupée, euh, communautaire et tout ça. Et toi, tu me réponds mmh. l'individu, l'autre. Et... Bah parce que de fait. Vraiment, euh... tu es, es une sociologue. Non, mais ça ne va pas du tout. <laughs> c'est ça. ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quitté la communauté, je pense. Ouais, ouais, euh, ouais. Avant qu'ils me foutent dehors. <laughs> euh, mais <laughs> toujours partir avant qu'on nous demande de partir. Mais <laughs> euh, en tout cas, il n'y a partir. pas de société sans individu. C'est mmh. clair. Et il n'y a pas d'individu sans société. Enfin bref, c'est lié tout ça. Valérie est stagiaire de Françoise actuellement. Euh, de... Professeur oui. François, j'ai envie de vous interroger. <laughs> ce que nous dit notre, votre stagiaire, là, oui. ça, ça rejoint... Euh... C'est effectivement la, la difficulté, ce qu'on essaye de faire passer en tant que... Une difficulté ou un essentiel Alors, euh, par rapport aux pressions qu'il peut y avoir dans la société ou l'impact, car effectivement, on écoute... Tous les tous les médias, c'est vrai qu'on a un peu tendance à la sinistrose en France. On a une tendance. Quelle Typiquement en Une wow. culture française. À toujours aller voir ce qui va pas. Mmh. Ça c'est vrai. Et effectivement, euh, au travers de des renseignements qu'on peut avoir, on fait vraiment l'essai de faire de nous passer faire de la sociologie à la place de la sociologie. Ouais, on est genre. en train de faire passer euh, le message que oui, effectivement, il y a des difficultés majeures, hein, financières et autres, ça c'est sûr. Après, c'est effectivement comment moi, dans mon petit jardin, je peux au moins profiter de cinq minutes. Euh, où je regarde les oiseaux, les nuages. Alors c'est vrai que ça ne mettra pas euh, de, des aliments à bouillir dans la marmite, comme on dit, mais d'un autre côté, on voit les choses autrement, c'est-à-dire qu'on fait des choix. Et que même, effectivement, ça veut dire qu'on ne cède pas à la pression médiatique, les publicités qui veulent nous faire acheter de plus en plus. Et ça, c'est ça qui n'est pas très simple, en tout cas pour les, les personnes. C'est-à-dire qu'elles se laissent, entre guillemets, euh, bah, comme tout le monde, influencer par ce que les médias nous disent et qu'il faut consommer telle et telle chose. Et du coup, il y a une frustration qui s'installe de par le peu de salaire qu'il y a. Donc, effectivement, euh, la manière dont on regarde les choses fait qu'on le vit bien ou moins bien. Ça, c'est sûr. Dans vos interventions, vous, vous vous renvoyez souvent vers une rééducation personnelle, quand même mine de rien. Mais oui, 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 tout à fait. Même moi, j'en parle souvent. Même là, j'étais avec des élèves péricultrices euh, c'est regarder si l'enfant il y a des choses qu'il sait pas faire ou au contraire est-ce qu'on va on le sait ça dans toutes les études en ce moment euh, on n'est pas bon en France parce que euh, effectivement on est sur le côté négatif des choses au lieu de montrer quel potentiel il a qu'est-ce qu'il a déjà acquis qu'est-ce qu'il sait bien faire qu'est-ce qu'il sait réussir c'est voilà c'est une manière de positiver en tout cas moi Donc, je on, sais pareil. en tout cas pourquoi je veux une émission d'une demi-heure avec un invité parce que à deux invités <laughs> ça passe beaucoup trop vite <laughs> euh, dernière question à toutes les deux qu'est-ce qui oui. vous donne euh, la patate l'envie d'avancer ah, la, euh, la curiosité ça c'est vrai moi je suis passionnée par plein de choses par euh, ce qui se passe dans le cerveau de chacun par euh, ce que l'autre est en capacité euh, au travers de l'aide on voit bien comme l'autre est capable à un moment de rebondir et de s'en sortir donc euh, ça c'est une vraie passion Avant de laisser la parole euh, mm -hmm. et la conclusion à Valérie une adresse où on peut vous consulter sur un Alors, site oui, internet Alors bah, oui sur le site internet c'est le cfrs euh, gmail.com Point en minuscule hein. gmail.com et voilà. Vous trouverez toutes les informations. Merci Françoise d'avoir pris un peu de temps pour oui. partager votre passion. Euh, Valérie, toi, qu'est-ce qui te donne la patate les matins après avoir fait de tels changements de vie, avoir euh, appris à modérer une consommation, modérer des, 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 des pulsions mm -hmm. Alors on met... échanger changer un, de cap. Et changer de cap. On met euh, un arbre, un chien, de l'air et j'ai tout ce qu'il me faut merci à toutes les deux belle continuation i feel good all the time i do the i would dance i feel good i do the i would not. so good so good i got a you oh! i feel nice the sugar rush by